Eh bien, salut à tous et tous, amis, c'est Paddox, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait obtenu notre tenue d'escalade. J'espère. C'est quoi ça? Ok. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On est parti du coup pour continuer. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer, on va rester un petit peu dans l'annexe. Je vous en avais parlé, on va essayer de s'attaquer aux fées. Voilà, j'aimerais bien m'attaquer. Hop, attendez. J'aimerais bien m'attaquer un petit peu aux fées. Aux quêtes des fées. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Ok, c'est toi qui fais du bordel comme ça. Dans un premier temps, on va s'attaquer aux. Et cette fois, j'espère que ça va marcher parce que la dernière fois, ça ne pouvait pas marcher. On va s'attaquer aux amiibos. Donc, on va commencer par. Où on n'a plus rien à récupérer, Mipha. D'ailleurs, je retrouve normalement bientôt les cartes Amiibo. Je vais dire ça tout de suite. Pendant que je lance Mipha, voilà, ça marche. Très fort dans mes oreilles. Les cartes Amiibo, je les reçois. Hop. Normalement, semaine prochaine. Entre semaine prochaine et semaine d'après. On verra. De toute façon, je vous les ferai découvrir. Tac, donc on obtient tous les poissons, comme d'hab avec Mipha. Une lance Zora, ok. On continue avec... avec l'amiibo, hop. Zelda et son sestrier. J'ai un poil de chat sur mes manettes. Voilà. Oula! Reviens là, toi. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Parfait. On continue avec le Link de Tears of the Kingdom. Une épée de chevalier, ouais, bon c'est intéressant mais c'est pas vraiment ce que je veux. Le Link de TP je viens de faire, je sais plus. Non, ok, bah, je crois qu'on a tout fait. Cool. Et donc je vais filmer le Link de Skyward Sword, on est d'accord pour dire que je l'ai fait. Ah non. Attendez, on va faire ça l'ancienne. Oula, on va faire ça l'ancienne. Des flèches en bois. Ouais, j'aimerais bien aussi une coiffe là. Enfin, une coiffe ou un autre équipement. On obtient la coiffe du ciel. J'ai l'impression que c'est scripté du coup, parce que regardez, on obtient les coiffes exactement en même temps. Enfin, pas l'impression que c'est scripté, mais que c'est scripté par rapport au nombre de coffres qu'on ouvre. Donc du coup, maintenant, on obtient. Oh yeah! La coiffe du crépuscule. Et la coiffe du ciel. Elles sont stylées. Ok, bon, par contre, on va garder notre bandana pour le moment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à, comme je l'ai dit, la. Ok. La quête des fées. Alors, pour ça, faut qu'on aille où? En fait, on les a toutes vues. Enfin, on a entre guillemets tout vu. On a la quête, mais on n'a juste pas le bon ordre en fait. On n'a juste pas le bon ordre qui nous permet de commencer en fait. C'est juste ça le problème. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve l'endroit où commencer. Peut-être
par là. Non. C'est pas là? Attendez, c'est où ça? Ok, donc l'endroit où faut qu'on aille, c'est ici. Ok, donc on va TP pour ça. On peut TP là et faire celui-là en même temps. Pas fou. On verra. On va se concentrer peut-être sur la fée dans un premier temps et puis on verra après pour les sanctuaires. En sachant que... Non, ça devrait être bon. En sachant que... Je vais aller aussi... Ici. Allez, on est parti! Ok. On va sûrement prendre ce sanctuaire là par contre. Voilà, ok. Ok, ce relais là m'intéresse parce que je l'ai pas. Attendez, viens encore. D'accord, ma chaise qui s'affaisse, ça vous commence à être au courant. Ok, et je vois la fée qui m'intéresse également. Mais on avait jamais pris ce. On n'avait jamais pris celui-là, ok. Alors attendez, par contre. Sur la carte, faudrait que je regarde, mais je crois savoir où je suis. Voilà, je vous rappelle que on essaye de remplir la carte interactive en même temps. Ouais, voilà, on est à celui-là. Essaye de remplir la carte interactive en même temps, histoire de ne pas se retrouver bloqué à la fin. Pas comme justement Zelda, Breath of the Wild, où on n'avait pas du tout rempli la carte. Et à la fin, on se retrouve bloqué maintenant avec quel Korogu on a, quel Korogu on n'a pas. Donc bon. Si on peut éviter de faire ça sur ce Zelda, ça m'arrangerait. En sachant que même là, ils sont pas tous notés. Moi, je vais avoir le 16e là de noté. On en a 45 a priori. Mais bon. Ça nous en fait que quelques-uns à noter et pas tous. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok. Ok, bah j'ai compris alors. Allez, va! Alors ça, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des... Ça c'est con. On la refait. C'est mieux. Bon, on va essayer de choper le coffre. Comme d'hab. Oula. Il n'y a rien là, ok. Toi, tu restes là. Ok, le coffre est là. Il contient quoi? Un bouclier. Je connais pas ces boucliers là. Je connais ce bouclier là ou pas? Et non? Par contre, attendez. Moi je veux bien, mais là on sera jamais assez haut. Voilà, vas-y, monte. Super.
Ouais, ça marche pas. Ça marche pas comme ça, attendez. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Mince. Ok. Là, on monte dessus. Il y en a qui ça? Ça pas vous? Si, c'est bon. Je sais pas, voilà. J'aurais filmé. On a bien tous les coffres, ok. Tac, on arrête. Ça, ça fait quoi? Ça, ça lève là, ok. Mais en vrai, je vois. On a. Enfin. J'allais dire, on a encore pas mal de petits trucs. On a encore pas mal de trucs, oui. On a pas mal de petits trucs, certes. Mais en vrai. En vrai, il nous reste encore tellement de choses à faire. C'est incroyable. C'est ça qui est trop bien. Allez, go! Ok, c'est fait! Alors. Allez! Premier temple. Enfin, premier sanctuaire, pardon, de fée. Ça, c'est plutôt pas mal. Tac, on va aller prendre le relais, on va aller leur parler pour avoir la récompense, vous savez, des. Bah, justement, la récompense des relais. Je sais pas combien il y a de récompenses d'ailleurs avec tes relais. Pam, 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 pam. Ok. Ah oui! Ah oui, il y en a quand même pas mal. Ah oui! Mais attendez, comment est-ce qu'on obtient. Comment est-ce qu'on peut obtenir tous ces points? Il n'y a pas autant de relais. Attendez. Tu as vraiment autant de relais? Parce que je vous explique, ça va jusqu'à, sans vous donner, sans vous dire quelles sont les récompenses, ça va jusqu'à 60, 60. Sauf qu'il n'y a jamais autant de relais. C'est bizarre ça. Bon, déjà on va aller voir là. Toi t'inquiète. Si vous voulez bien m'en dire plus sur la nuit où la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon. Bien sûr, je crois que c'était. C'était peu après le cataclysme. La grande fée a disparu soudainement. Alors nous étions inquiets. Nous avons voulu aller la voir. Mais nous avons eu un accident. Et quel accident? Une femme blonde s'est jetée devant nous. Notre cheval a pris peur et s'est enfui. Mais encore pire, celui que l'on pourrait qualifier de membre à part entière de notre troupe. Notre inestimable débridé a perdu des roues. C'est une tragédie. Sans lui, nous ne pourrons pas transporter le matériel nécessaire à nos représentations. Enfin, par chance, personne n'a été blessé. Mais depuis ce jour, la grande fée semble toujours craindre quelque chose et reste cachée dans son bourgeon. Je suis sûr que cette femme a quelque chose. A fait quelque chose à la grande fée. Cette fripouille.
ne nous a même pas présenté ses excuses et a filé vers la ville. Enfin, peu importe la raison, nous aimerons redonner le moral à la grande fée en lui jouant un petit morceau. Mais dans l'état où se trouve le débridé, on ne risque pas de transporter notre matériel jusque là-bas. Je vois une femme blonde. Ce ne serait quand même pas... Oui, je pense à la même chose. Tiens, partenaire, toi aussi tu étais là? Tu tombes bien, désolé. Mais je vais me mettre au boulot tout de suite. D'après ce que m'a raconté cette troupe de musiciens, la grande fée qui se trouve près de ce bourgeon, près de ce relais, s'est enfermée dans son bourgeon. Une femme blonde pourrait en être la cause. Je me demande si cette femme ne serait pas Dame Delda. Bien sûr, il n'est pas question de publier cette information sans la vérifier. Seulement, on pouvait demander à la grande fée sa version de l'histoire. Si ça qui t'intrigue, c'est que toi aussi tu es un bon journaliste. Tu vois, c'est une grande plante qui émet une nuée colorée là-haut. C'est le bourgeon de la grande fée. Il semble qu'elle apprécie beaucoup les mélodies de la troupe de musiciens. On dit qu'elle serait pour les écouter jouer quand elle s'est récemment approchée de ce relais. Mais je ne sais pas si c'est vrai. On dit que la grande fée confère sa bénédiction protectrice aux voyageurs. C'est en grande partie grâce à elle si ce relais attire autant de monde. Nous voulons vite lui redonner le moral. Oui. Il faut que nous trouvions un moyen de nous rendre près de la grande fée. Si notre cheval s'est enfui et le débridé inutilisable, qu'allons-nous faire? Je m'en occupe. Je peux pas te prendre ton truc, toi? Non. Ok, bon. Il va nous falloir une... Salut Thierry, pardon. Pourquoi j'ai appelé Thierry? Alors, tu en quoi? Ok. Bon, en vrai, les flèches, on n'en a pas besoin de m'acheter pour le moment. Vraiment, vous vous rendez pas compte, voilà. Mince. C'est Kilton? C'est Kilton! Et toi là, le voyageur! Tu ne comptais pas de rendre dans tes grottes, j'espère. Tu risques d'être déçu, car figure-toi que... Kilton? C'est qui? C'est ta femme? Colkin. C'est sans espoir. Mon pauvre Colkin. Non, on dirait plus son... On dirait un... Oh, je sais pas, en fait. Devenir à Satori une créature légendaire, ce n'est tout simplement pas à ta portée, je le crains. Alors concentre-toi sur notre collection de monstres plutôt que de courir après des chimes. J'ai refait tu, Ton. Je suis prêt à tout pour devenir la plus merveilleuse créature qui soit. Je serai un Satori. Tout ce qui me manque pour réussir, c'est un cristal. Et Lucie, ben on en a. La rumeur était donc fondée. Il y a bien un Élucy dans cette grotte. Et il brille du même éclat que Satori. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il s'accroche au mur et qu'il soit si agile. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un de t'aider à l'attraper dans ce cas? Après tout, tu pourrais
monnayer tous les trésors qui s'empilent dans la roulotte contre un peu d'aide. J'ai compris, je m'en occupe. Bon, on fait pas du tout la quête des fées. Bon, on va la faire juste après. Pas de panique. Mince. Ça touche ou pas? Non. Toi, tu dégages. Je m'embête d'utiliser mes armes contre ça. Ouais, mais avec ça, je galère à chaque fois. Regardez le nombre de dégâts que je suis obligé de faire. Ouais, voilà, j'ai cassé une lance d'oreille là-dessus. Non, c'est pas viable comme truc. Voilà, ça c'est déjà mieux déjà. Ok, bon, on a tout récupéré dans cette grotte. Bon bah, on s'est fait cette quête en même temps. C'est pas prévu. Salut. Voyageur, as-tu entendu notre conversation? Il me faut un cristal Elus pour réaliser mon rêve. Mais cette créature est bien trop rapide et agile pour moi. Réalise ton rêve. Oh, ça t'intéresse vraiment? Je souhaite devenir un légendaire Satori. Satori est une créature légendaire qui a été aperçue aux quatre coins du royaume d'Hyrule. Son regard est si profond, sa robe bleu ciel est si majestueuse et si noble. Après de longues recherches, après avoir épluché tous les ouvrages à son sujet, j'ai enfin trouvé comment faire. Pour devenir un Satori, je dois débusquer un Elucie, une mystérieuse créature qui se cache dans les grottes. Cette créature brille de la même lueur bleu ciel. Lorsqu'elle est affaiblie, elle laisse tomber un cristal. C'est pour cela que je me suis aventuré dans cette grotte. Il me faut le cristal Elucie. Mais aucun ouvrage ne m'a prévenu que les Elucies étaient aussi insaisissables. Je deviendrai un Satori. Je suis prêt à tout pour ça. Oh, désolé. Enfin bref, voilà toute l'histoire. Si jamais tu venais en possession d'un cristal Elucie, s'il te plaît, ramène-le-moi. Je te récompenserai gratuitement, sois-en sûr. Tiens, c'est pour toi. Ah, mais c'est un cristal Elucie! Eh bien, là, c'est ce que tu cherchais, Coltine. Cet aspect si raffiné, cette douce lueur bleu ciel, il n'y a aucun doute, c'est un authentique cristal Elucie. Tu as réussi, grâce à toi, je vais pouvoir réaliser mon rêve et devenir un Satori. Merci, voyageur. Mille merci. Tiens, voilà pour toi, simplement mérité. Super. Pour tout te dire, je collectionne les objets qui me permettent de me déguiser en monstre et les matériaux de monstre. Le masque que je t'ai remis est si réaliste que même les bokoblins n'y voient que du feu. N'hésite pas à l'enfiler pour te mettre dans la peau d'un bokoblin. Et maintenant, le moment tant attendu, je vais manger ce cristal. Pfiou, c'est parti. Et à mon avis, il t'en faut pas qu'un seul. Loup. Hein? Mais c'est pas sur rien. Attends. Je me sens légèrement différent, ça veut dire que même si la transformation n'a pas lieu, je me suis rapproché de mon objectif. Oh! Il va m'en falloir plus. Un par un, ça serait beaucoup trop long. Alors je vais en récupérer en très grand nombre et les manger d'un coup. Ça veut dire que Kilton, je dois entreprendre un grand périple à travers le monde pour récupérer des cristals Elucie. D'accord? Si c'est vraiment ce que tu souhaites, alors je t'encourage à poursuivre tes rêves. Je croiserai les doigts pour que tu trouves une montagne de cristaux Elucie. Python, mon frère, merci. Donc ils sont meilleurs frères et sœurs. Voyageur, ton aide m'a été des plus précieuses. Et maintenant, je pars en quête d'encore plus de cristaux Elucie. Bien sûr, si tu en trouves de ton côté, je te serai gré de me les apporter. Bien évidemment. Je te les échangerai contre des trésors de ma collection. Sur ce, bonne route et au plaisir de te revoir.
Mais j'en ai d'autres. Et le voilà parti. J'espère qu'il parviendra à accomplir ton rêve sans trop de difficultés. Eh bien, il est temps pour moi de reprendre la route également. Je dois me rendre au village 2-0 en Akala. Merci infiniment d'avoir aidé mon frère voyageur. Il aura besoin d'aide et de soutien pour accomplir son rêve. Alors si tu le crois, j'espère que tu l'aideras à nouveau. Je garderai un œil sur les pérégrinations de Coltine. Pas donc me voir au village 2-0 si tu le cherches. Allez, assez bavardé, il est temps pour moi d'y aller. Ok. Bah cool, très intéressant. Bon, c'est fait la quête de Colkin. C'était pas prévu, mais bon. Toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Du coup, attendez, par contre, moi, ce que je veux... Oula, non. Voilà. Hop, on va aller chercher Epona et on va les emmener. Je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Bienvenue au relais de la forêt. Merci à toi, Link, de faire appel à un service de relais. Comme c'est la première fois, un point relais. Parfait, une nouvelle récompense. On va emmener un cheval, on va emmener Pona. Bon, on va voir quoi comme... On a quoi comme récompense? On a quoi comme récompense? 10 points. Ok. Bon, on a de quoi enregistrer un cheval en plus. Bon. Mince. Personnaliser un cheval. Quoi? Comment est-ce qu'on... Attendez, comment est-ce qu'on fait? Un cheval? Oui. Comment est-ce qu'on faisait? Ah ouais, mais justement, c'est ça. Moi, je vais le personnaliser. Bah ouais, mais... Je peux pas... Je peux vraiment pas. Attendez, je peux vraiment pas avec Epona? C'est bien comme ça qu'on fait. Ah, voilà. Ok, donc avec Epona, je peux pas. Epona, je peux pas y mettre de harnais. Bizarre. Allez-y, montez! Mais non! Oh. Voilà, allez, montez! Tiens! Est-ce que notre débridé
Quelqu'un d'autre débridé fait un endroit pareil. Il faut vite le récupérer. Quoi? Mais non, mais... Non, non. Mais non, mais t'es stupide! Tac, tu veux bien monter ou pas? Je vais vous construire un vraiment. Vieux le laine, il a bricolé le débridé. Si ça se trouve, on va pouvoir avancer maintenant. Montons vite avant qu'il ne change d'avis. Voilà! C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Allez, viens toi. Oula. Attends. Je vais mettre ça quand même. Un petit peu. Hop. Voilà. Allez, on s'en va. Direction la fée. Trop bien. Allez, go. Ouais, on sent qu'on... Je sens que j'ai maîtrisé pas autant que Kepona. Ouais, voilà. J'avais un petit peu par moment comme à vous, mais bon. Et on arrive. Bonjour. Merci, ici ça devrait aller. Allez, Matro, préparons-nous à jouer. Nous allons y mettre tous nos cœurs pour la grande fée. Et voilà! Oh! Regarde, Violaine. La grande fée est sortie. Oui, elle est tout à fait divine. Bien joué, partenaire. Quand j'ai vu le bourgeon s'ouvrir, je suis venu à tire d'elle. Alors c'est elle, la grande fée. Oh, cette mélodie est si belle qu'elle m'a fait sortir de ma cachette. Mais la princesse Zelda a dû se tromper. Je ne vois rien de ce qu'elle m'a annoncé. Elle a dit que des miasmes maléfiques et des nuées de monstres allaient fendre ce monstre. Alors je me suis caché. Mais maintenant que j'y pense, elle est montée de la princesse une aura très désagréable. Il faisait nuit. Je n'ai donc pas bien vu son visage. Ce n'était peut-être pas elle en fait. Elle ressemblait à Dame Zelda, mais ce n'était pas Dame Zelda. Comment est-ce possible? Il y a bien plus de zones d'ombre dans cette histoire que je ne le pensais. Quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. Il faut vite rédiger un article à ce sujet.
Alors, faisons le compte. Nous avons fait la lumière sur deux rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Voilà ta paye. C'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit petit à petit. Et voilà, tiens un petit quelque chose de la part de Bourgette. Tiens. Oh, cool! C'est celui-là, Gazette des Bois. La teinturerie du village des limites est spécialisée en tout ce qui touche au tissu. Il devrait pouvoir t'aider à en faire quelque chose d'intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette étoffe fait de toi un membre officiel de l'équipe de la Gazette des Bois. Oh là là. Il faut toujours lire entre les lignes avec Bourgette. Bref. Porte les couleurs avec fierté, partenaire. Ravi de t'avoir à nos côtés. Je vais sans plus tarder rapporter cette histoire à la rédaction. On devrait pouvoir en tirer un bon article. Bon vent. Eh ben, bon vent. Maître, je pense que si la troupe s'était séparée, c'est parce que les autres en avaient assez de mon violon. Mais bien sûr que non. Le son de ton violon est magnifique. Il est même capable d'émouvoir une grande fée. Je peux jouer du violon sans douter de moi à présent. J'ai entendu dire que les autres grandes fées s'étaient aussi enfermées dans leur bourgeon. Alors allons leur remonter le moral avec ma musique. Ou plutôt notre musique. Voilà une brillante idée. Les brides as-tu reviennent. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici, voyageurs. Nous ne sommes que deux pour l'instant, mais je pense que notre troupe sera bientôt à nouveau complet. Bien, Violaine. Préparons-nous au départ. Hâtons-nous d'aller voir la grande fée encore. D'aller voir les grandes fées encore recluses. Parfait. Bon, c'est bon, vous avez fini? Tu as l'air très occupé, mais j'allais tranquillement regagner ma fontaine, mais j'ai entendu que vous parliez de redonner le moral à mes sœurs, alors j'ai attendu un peu. Nous sommes quatre en tout. J'ai entendu dire que mes sœurs s'étaient elles aussi réfugiées dans leur bourgeon. Mijam s'est installé près du relais des bras. Cressa n'est pas loin du relais de la plaine d'Hyrule. Kotura se trouve près de l'eau. Du relais dans l'ouest de J'ai pas lu la fin. Je me faisais du souci pour elle, mais après avoir entendu ce musicien, je me sens plus rassuré. Si toi aussi tu trouves un petit bourgeon, adresse-lui la parole, je t'en prie. Mais au fait, puisque tu es là, tu veux que j'améliore tes vêtements? À l'heure actuelle, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants, ça t'intéresse? Mince. Non, quel dommage. Oups. Prends soin de toi. Mais si, il faut trouver le bouton. Coucou. Oui, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu peux m'améliorer? Vêtements. Ok, donc tout ça, c'est pas renforçable. Les tenues de... Ok. Ça, c'est juste qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ok. Bah, je pense qu'on va améliorer notre tenue. Ça passe à 5. Toutes les tenues passent à 5. Non, ça passe à 4. Et ça passe à 5 aussi. Ok. Bah, je vous propose qu'on améliore à l'heure actuelle notre tenue Ilien. J'ai terminé. Ok. Parce qu'en revenant certaines fois, renforcer deux fois, tu peux bénéficier d'un nouveau pouvoir. Oui, vas-y. Oui, mais de toute façon, tu peux pas me les renforcer deux fois. Un opale brut. Oh, ça peut être intéressant, ça aussi, d'améliorer ça. Ça passerait à 4. Allez, vas-y. Je sais pas s'il y a encore le bug de dupli, de toute façon. Mais je pense que, honnêtement, je pense que je l'utiliserai pour peut-être les fées.
On verra. S'il existe encore. Mais en tout cas, voilà, on a au moins récupéré une fée. Ça, c'est cool. La capucinienne. Ça, tu peux améliorer quoi? Ça coûte du saphir et des fragments d'étoiles. Ça va craquer. Ça, on verra plus tard. Ça, on les fera plus tard. Parce que, mine de rien, c'est cher, les fragments d'étoiles. Ça, c'est que des fleurs silencieux. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si on améliorera toutes nos tenues, en vrai. Toutes nos tenues à fond. Ça, je sais pas, pour le coup. Mais bon, pour le moment, on connaît pas vraiment la tenue la plus utile. Ok, bon, la tenue Zora s'est augmentée aussi. J'ai même peut-être augmenté ma tenue d'escalade aussi. Tenue furtif, tenue d'escalade, ça va être cool. Rempli tempo, ok. Bon, ça va, ça coûte pas grand-chose. Comme ça, voilà, peu importe qu'on nage, qu'on fasse quoi que ce soit, on sera quand même pas mal protégé. Ce sera déjà mon début. Tac là. Ensuite, ça coûte cher. Trop cher. Ça, c'est des cornes de l'Isalfos. On n'aura pas assez de cornes de l'Isalfos. Pour le moment, on va garder comme ça. Ok, bon. On a déjà pas mal augmenté. Ok. Bon, en vrai, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Ça, c'est cool. Mais attendez. Faites-moi voir un truc. Je regarde un truc. Ok. Regardez. Là, c'est une fleur parce qu'elle est ouverte. Et là, c'est un bourgeon parce qu'elle est fermée. Ok. Ok, du coup, au moins, comme ça, on sait ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. C'est ce que je voulais savoir. Ce qu'on va faire également. Avant de s'arrêter, hauteur d'Akala. Je sais plus vraiment où c'est. Sais plus où c'est. Est-ce qu'on peut y aller? Il est où? Je sais plus où c'est. Je ne sais plus.
pas par là? Il semblait que c'était par là. Laboratoire antique d'Akala. Ouais, et limite, c'est pas loin. En fait, c'est ça que je cherche. Je cherche les limites. Mais je sais plus où c'est. Je sais plus. Ok. C'est par là, non? Je crois. Ah, ou alors, non, c'est là, en fait. C'est par là, finalement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok, donc quelle limite c'est là? Ok, donc faut qu'on aille à celui-là. Ok. Bon, on va faire ça pour la fin de l'épisode. On va se faire ça, mon strafé. On aura un accès directement à les limites. Ça va être cool. Ça va être bien cool. Donc, bon ou pas, quand même un peu. C'est quand même un petit peu loin. Donc en sachant que là, du coup, toute notre tenue en fait font 5. Ok. Donc ça c'est cool. C'est déjà pas, enfin, déjà franchement pas mal. Mais ouais, ce qu'il y a, c'est que. Faudrait que je voie pour. À la limite, en fait, je pensais à ça, mais pour le bug de duplication. Étant donné que là, il nous faut un objet au milieu où il y a un seul exemplaire. Là, j'en prends. Par exemple, celui-là, je prends les deux, je les dégage. Pour histoire qu'il n'en reste qu'un, quoi. Histoire de pouvoir faire le bug. On verra. On verra, on verra, on verra. De toute façon, on n'est pas encore rendu à là. Ah bah, il est là le village. Le village des limites. Pareil, on pourrait s'attaquer en soi à ça, mais bon. Pour ce que ça va nous rapporter, c'est un peu aux F. C'est un petit peu aux F. Oh, regardez, il y a un kourou. Est-ce que j'arriverai à voir où est-ce qu'il est ou pas? Déjà, attendez, on est où? On est... On est beaucoup plus bas.
Ok, je pense que c'est celui-là. Oula. Pas vraiment en fait. Mais pour autant... C'est pas du tout celui-là en fait. Ah si. 200... Ouais, c'est ça. Ok. C'est celui-là. Ah ouais, mais attendez. Pourquoi il considère que c'est... Je sais pas. C'est-à-dire que c'est deux cours au goût en fait. Trop bizarre. Ok, donc toi tu veux rejoindre ton ami. Oh, le relou. Ah ouais, non mais t'es tout là-haut. Ouais, on verra ça plus tard. C'est pas que j'ai la flemme, mais un petit peu. Ah ouais, non, il est tout en haut. Hey, je crois qu'on a la teinture aussi ici. C'est pas Helmut qu'on avait teinturier dans Breath of the Wild. Quoi? Bah, de toute façon, on va faire le relais, puis on verra. Pardon? Ah, il peut. Regardez la vitesse à laquelle on va. Ok. Bon, allez, on va se faire ça. On va se faire ça. Mais ouais, du coup, attendez. On aurait... Ah, ou alors, non, il y a deux cours au goût dans celle-là. Parce que je veux dire, même ici... Ah non, j'en ai pas fait. Hein, je sais pas, c'est bizarre. Bref, on verra. Qu'est-ce que c'est? La forme prélève. Déjà ça. C'est vraiment juste comme ça? C'est pas du très très rapide, mais bon, ça arrive. Moi j'espère. Oui, elle arrive. Normalement ça passe. Quoique. Tu vas où? Ok. Les balles là, non ou pas? En fait, ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'il n'y a pas un coffre? Pour moi c'est la seule explication logique que je vois au coffre. Sinon je vois pas où est-ce qu'il est en fait.
stack, enlever tout ça. Ça dégage. Hey, je m'en doutais qu'il y avait un coffre. Y a quoi dedans? Parfait. Et on a tous les coffres. Ok, on dégage. Parfait. Tac, et c'est encore un épisode rondement mené. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Bah parfait, bah on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. D'ailleurs que je risque d'enchaîner les deux épisodes, du coup on va encore rester je pense à deux épisodes par jour. Je pense. Pour le moment en tout cas. On verra. Ouais, je pense que ce sera peut-être la dernière semaine où on enchaîne des épisodes par jour, on verra. Bref, ouais, en tout cas, j'espère franchement sincèrement les amis que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne, la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le font. C'était pas grave, bien évidemment. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde. Allez, rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Salut tout le monde. Bye bye. Salut.